Fondation Enfants Retour. C'est une fondation qui est un petit peu méconnue dans nos régions, sauf que dans les grands centres, c'est une fondation qui commence à avoir beaucoup de liens avec les services de police en cas de disparition. Enfants Retour a été fondée en 1984, suite à la disparition du petit Maurice Vien, qui à ce moment-là avait 4 ans. Ce jeune enfant, il s'amusait devant chez eux. Et un homme l'a leurré un petit peu avec des bonbons et a réussi à partir avec le jeune. Et le corps a été retrouvé 4 jours plus tard, là, où il avait été torturé. Suite à ça, il y a deux dames qui trouvaient que c'était inacceptable. On a débuté à aider les services de police. Puis les parents, entre autres, sont surtout là pour aider les familles dans ces cas de disparition-là. Ils ont commencé à soutenir des familles. De fil en aiguille, d'année en année, Enfants Retour est devenu avec une grande structure qui travaille beaucoup au niveau de. C'est ça, ils viennent en soutien aux familles qui vivent ces tragédies-là. Mon grand but, mon plus grand rêve, c'est de les faire connaître de plus en plus. C'est pour ça que que j'ai la chance aussi d'être avec les policiers du service de police de Montréal pour être capable de porter un petit peu leur nom.